Flandin, le cafetier chauffeur de taxi de Bourg-Saint-Maurice, a commandé une ambulance. Et je donne de l'extension à mon affaire. Ah, il faut voir grand dans la vie. Il est allé à Paris prendre livraison de son ambulance, emmenant avec lui son fils Robert et Pierre, le plus jeune des Sesterins, qui, contre toute attente, a passé brillamment son baccalauréat. Et c'est à Paris que Pierre a rencontré Marie, la nièce de Flandin. Celle-ci rentre avec eux à Bourg-Saint-Maurice pour y passer ses vacances. Et surtout, n'oublie pas, tu fais ta chambre tous les matins, ton lit. Et tu nous écris tous les jours. Quelques jours plus tard, au cours d'une promenade à moto, Pierre et Robert font une chute. Robert se blesse, compromettant gravement sa saison de ski. Il a la jambe cassée, les tibias et péronnés. Je suis en train de lui faire un plâtre. Je suis désolé. Cependant, à Val Thorens, la mise en place de la superstation s'accélère. Henri donne la pleine mesure de sa compétence. Par contre, au miroir, Antoine Sesterin a des problèmes. Le syndicat des propriétaires a refusé les prix fixés par les domaines. Cela n'empêche pas que se dessine déjà la nouvelle route qui conduira à la future station. Tu vois, je sais pas si t'es de mon avis, mais je trouve que c'est mieux que le frigo. Ça ne casse pas. Ça, c'est sûr. Dis donc, il commence à la ramener un peu trop, Flandin. Et toi, tu la ramènes pas? François me le disait l'autre jour, je sais pas ce qu'il a, mon futur beau-père, mais par moment, il se prend pour Napoléon. T'as dit ça? Ouais. Et tu es de l'avis de ton fils? Bah oui. Je te remercie. Il est bon. Il est bien. Dis-donc, Antoine, ce que je vais te dire, je pourrais le dire à aucun autre. Je n'ai que toi comme ami. Alors voilà. Tu me promets de répondre franchement. Qu'est-ce que tu penses de moi? Ce que je pense de toi? Oui. Bon. Donc vas-y carrément, mets tout sur la table. Je pense que t'es un brave homme. Tu prends des coups de sang, mais t'as pas toujours tort. Tu dis des bêtises, mais qui n'en dit pas? Bon. Chaque fois que j'ai besoin de toi, je t'ai trouvé. Et sincèrement, je pense que t'es un brave homme. Tu veux tout savoir? Oui. Eh bien, je pense que depuis qu'il était question de la station, t'as la tête enflée. Et ce sera comme ça, pas de discussion, dictateur, quoi. Bah, d'abord, c'était dans le sens du projet. Ensuite, t'as tourné casaque. Maintenant, c'est pour la défense des propriétaires. Remarque, je te reproche pas de prendre leur défense, non? Les domaines vous ont proposé des prix, vous avez refusé. Les domaines vous ont proposé d'autres, et vous y gagnerez. Bon, tant qu'on discute, il n'y a rien à dire. Mais de là à vouloir imposer son point de vue, le fusil à la main, alors là, je dis non, et je le sais. On me l'a dit, tu t'en es vanté. Moi, j'admets pas ça. Et je te préviens, Lozon. Le jour où tu prendras le fusil, tu me trouveras en face de toi. Voilà. Bon. Je sais maintenant ce que tu penses. Mais je sais aussi que je me suis trompé pendant des années. Toi et moi, on n'est pas du même bord. Moi, je dis non. Toi, tu dis oui. Moi, je me bats. Toi, tu te couches. Lozon. Non, mais pour qui te prends-tu? Pour le maire de la commune. Un maire qui se fout pas mal de l'intérêt de ses administrés, oui. Quand je pense que j'aurais pu avoir l'écharpe, et que je me suis désisté en ta faveur, je te jure qu'au prochain municipal, ça ne sera pas le même tabac. Écoute, Lozon. On nous attaque, et tu n'admets pas qu'on se défende. Et tu me fais la morale. Eh bien, moi, je te dis que je n'ai pas de leçon à recevoir d'un homme qui n'a pas su inculquer à ses enfants le respect et l'amour de la terre. Va-t'en, Lozon.
Je te jure, ça me fatiguera pas. Je me sens beaucoup mieux. Ah ben, on va aller faire du ski nautique. Marie va se noyer. Elle sait pas nager. Est-ce qu'on est bien? Tu t'embêtes pas trop avec nous? Non, pas du tout. Tu sais, j'étais pas tellement excitée de venir ici. Finalement, ça va. Dis donc, le ski nautique, c'est bien beau. Mais comment on va y aller au lac du Bourget? À pied. On se malin. Ton père nous passera le taxi? Ça m'étonnerait. Tu te rappelles leur tour de Paris? Tiens, voilà François. Moi, j'ai trouvé notre solution. Ah, ça va, j'ai compris. Ça va, Robert? Ça va mieux, oui. J'avais vu le médecin. Il paraît que finalement, c'est beaucoup moins grave qu'on pensait. Extra. Dis-moi, François, tu peux me porter ta voiture demain? Demain, non. Lundi ou mardi, si tu veux, mais pas demain. Pourquoi faire? C'est parce que j'ai un copain de collège. Il habite à Albertville. Il m'a prêté des bouquins. Je lui ai promis de les lui rendre. Lundi, ça tirait? Ouais. Tant pis, j'y vais. Ça va pas, non? Qu'est-ce que je risque? T'es sûr qu'il est imperméable, ton plâtre? Allez-y! Non, monsieur, vos bulldozers, ils ne m'impressionnent pas. Voilà ce que je lui ai dit à l'homme de l'administration. Il est reparti son dossier sous le bras. Vous comprenez, il va probablement aller chez tout le monde. Bon, moi, je ne céderai pas. Il y en a qui ne le voient pas comme ça. Qui? Il y en a. Alors, évidemment, ça suffit pour que les autres, ils se demandent si ça vaut la peine de continuer à se battre. Goyet, par exemple, il me disait ce matin, c'est la lutte du pot de terre contre le pot de fer. T'as dit ça, Goyet? Ouais. Bon Dieu de bon Dieu. Ouf. Croyez pas que je vois tout en noir. Mais notre syndicat, là, je ne la donne plus pour longtemps. Ah non? Non. Tu l'as? Tu vas me convoquer tout ce beau monde pour la semaine prochaine. Je leur dirai ce que je pense. Et il va falloir qu'ils marchent. Ou je m'appelle plus Lose. Tiens, un revenant. Salut. Ben, c'est dit que t'étais fâché avec moi ou que tu surveillais de trop près les travaux de la nouvelle route qu'on ne voyait plus? Dis donc, pas de bêtises. Qu'est-ce que tu prends? Un blanc limé. Dis donc. Oui? À quelle heure tu fermes ici le soir? Oh, 8h, 8h30, mais enfin c'est bien rare qu'après 8h, il y a encore des clients. Parce qu'on va avoir une réunion du syndicat la semaine prochaine. Et chez moi, avec mes femmes, c'est pas commode. Puis ici, il y a de la place. Et avec les consommations, tu n'y perdras pas. Une réunion du... Du syndicat, oui. Je regrette, ma femme n'est pas du soir, moi non plus. On se couche de bonne heure. Pour une fois. N'insiste pas, je dis non, c'est bien. Sur les anciens combattants, le football, tu accepterais. Mais le syndicat des propriétaires, tu n'en veux pas chez toi. Je m'en souviendrai. Monsieur Flandin. Oui? Il faudra que vous veniez. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est le plâtre de Robert.
Je sais pas pourquoi, il est tout drôle. 3 semaines de mieux, voilà ce qu'il a gagné, Robert. Naturellement, son hiver est foutu. Adieu le ski. Mais dis donc, la voiture, c'était pour aller là-bas? Oui. Et ton copain à Albertville? Bon, ben, tu peux lui dire adieu à la voiture, hein. Qu'est-ce qu'ils ont dans le crâne, mon Dieu? Ils sont là. Sur la place ou au café. À pas savoir quoi inventer. Mais je t'ai vu l'autre jour. Ben, fallait comment vous. Ah, on peut pas dire que d'avoir fait des études, ça t'a ouvert l'esprit. Rien dit sur moi, Robert? Non. Je te demande ça parce que depuis l'accident, il me fait la gueule. Il me reproche rien, non, mais c'est plus comme avant. Évidemment, j'ai pris des risques, puisqu'on s'est fichu en l'air, mais quand on fait du motocross, on prend des risques. Alors je comprends pas pourquoi il m'en veut. C'est peut-être parce que je sors avec toi. Oh, mais nous, c'est pas pareil. Pourquoi il penserait ça, Robert? Y a rien entre toi et moi. Je sors avec toi parce que je suis contente d'être avec toi, c'est tout. Et puis, je crois que c'est mieux comme ça. Parce que comme de toute façon, je rentre à Paris. Qu'est-ce que tu vas faire alors à la rentrée? Droit, médecine? Je sais pas. T'as pas une idée? J'ai pas envie de travailler. Dis donc, tes copains qu'on avait vus à Paris au bistrot, tu te souviens? Oui. Ils étaient quoi pour toi? Ils étaient rien. En tout cas, moi je te le dis, c'est des petits cons. Oh ben ça forcément. En dehors de toi et de tes frères, y a personne. Tout ce que vous faites, c'est bien et vous avez toujours raison. Exactement. N'empêche que François, ben il me regarde drôlement. Ça m'étonnerait. Si, monsieur. François, il est moniteur. Les filles, on attend qu'il en veut. De toute façon, il y a Martine. Excuse-moi, je te laisse là, mais j'ai rendez-vous avec des copains. On se voit quand? Je sais pas. De toute façon, si tu t'ennuies, t'as toujours les chasseurs alpins. J'espère que je n'ai oublié personne. Non, je les ai comptés. On vous dérange, madame Lauzon? Mais pas du tout. Faudrait que vous veniez dîner un soir à la maison. J'en ai justement parlé avec ma femme. Ce sera avec plaisir. Dimanche, ça vous irait? Oui, dimanche. Moi, dimanche, je peux pas. Je suis invitée par le père de François. Ouais. Alors, on vous laisse. Si vous avez soif, vous n'aurez qu'à vous servir. Oui, vous couchez, les femmes. Merci. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, madame Lauzon. Martin. Messieurs, prenez des chaises. On sera un peu serré. Je pensais qu'on pourrait faire cette réunion au café Flandin, mais monsieur Flandin ne veut pas de nous. Sans doute qu'on a des têtes qui ne lui reviennent pas. Mais je penserai de ma clientèle, celui-là. Et de la mienne aussi. Messieurs, on n'est pas là pour parler de Flandin. Nous avons, tous d'accord, refusé les prix fixés par les domaines. Et nous attendons leur nouvelle proposition. Quand je dis nous attendons, en fait, il paraît que c'est pas vrai pour tout le monde. Quoi? Comment ça? Tout le monde est pour? Non. Devant les bulldozers et les pelleteuses, certains d'entre nous, je ne cite personne, baissent le pantalon. D'après eux, nous menons un combat sans espoir. Bref, la lutte du pot de terre contre le pot de fer. Tu l'as hâte à répéter? C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, j'ai dit ça. Seulement, c'est ma femme qui prend peur. Moi, personnellement... Ta femme n'a pas donné son avis. Qui commande chez toi? Ta femme? Mettez-vous bien dans la tête qu'en commençant les travaux, qu'est-ce qu'ils veulent, ces messieurs? Nous faire peur. Comme à la femme à Goyet.
À nous de leur démontrer qu'on est des hommes. Si je vous ai convoqué ce soir, c'est pour que le syndicat s'engage, dès maintenant, à refuser les nouveaux prix qu'on nous proposera. Sans les connaître ? Par principe. Henri Chesterin, s'il vous plaît. C'est de la part de qui ? Son frère. Quittez pas. Allô ? Salut Henri, François. Comment vas-tu ? Ben, comme ça. Dis-moi, tu passes au miroir ces jours-ci ? Non, j'ai pas le temps. D'abord, au stade où ils en sont les travaux, j'ai rien à y faire, et puis ici, à Val d'Arras, on a besoin de moi. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, il y a des histoires entre le père et l'Ozon, je te raconterai. Des histoires ? Quelles histoires ? Ben, le père a fichu l'Ozon dehors. Dis-moi, si je passe te voir demain, ça va ? Attends, demain ? Oui, demain matin, je serai au bureau. Bon, bah ben, d'accord. Et à part ça, les travaux, ça va ? Pour la mise en place des poutrelles en béton sur les piliers. Il n'y a pas de problème du côté de la charpente métallique de lancement. Mais par contre, il y en a de plus en plus du côté des approvisionnements. Vous avez des ennuis ? On a déjà un mois de retard. Mais ça risque de me retomber sur le dos. Alors la petite guerre entre le père et l'Ozon. Salut. Je ne demande pas l'impossible. Simplement qu'Henri les remette bien ensemble. Mais toi, ma place, Janine, je me marie dans 2 mois et mon père et le beau-père sont fâchés. Ça commence bien. Qu'est-ce qu'elle dit, Martine ? Bon, Martine, son père, elle le connaît. Seulement, c'est son père. Oui. Tu crois que si je leur parlais, ils m'écouteraient ? Ah, toi, évidemment. Pourquoi Henri ? Parce qu'il est l'aîné, qu'il a une situation, qu'il est quelqu'un. Moi, pour eux, je suis qu'un gamin. Ils sont comme ça dans le pays. Je suis sûr que chez toi au Canada, c'était la même chose. Avant que tu sois marié, pour ton père, t'étais qu'une gosse avec des nattes. Bon. Janine et moi, on a promis au père d'aller déjeuner un de ces dimanches. On verra si on peut arranger ça. Mais c'est bien parce que t'es mon frère. Ça va bien. Tiens, rends-toi utile. Oh, comme c'est bien présenté. Mes compliments, Martine. Pardon. J'irai chez Lauzon cet après-midi. Tu viendras avec moi ? Bien sûr. On prévient le père ? Non. Mange pas ? J'ai pas faim. J'aurais dû lui dire non à Martine. Elle y serait allée malgré toi. C'est bien pour ça que j'ai rien dit. Et ça me fait quand même mal au cœur de penser que ma fille sert de cuisinière à un allié des technocrates. Technocrate, tu n'as que ce mot-là à la bouche. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Charbonnier est maître chez soi. Et que la place de ma fille n'est pas à la table des Sesterins. Ah oui, volontiers, merci. Oula. Assez, merci. Mais le choix que tu feras à la rentrée, Pierre, décidera de ton avenir. J'avais pensé que peut-être... Il pourrait préparer l'école vétérinaire. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, c'est un bon métier. Est-ce que ça te plairait, Pierre ? Ni vétérinaire, ni quoi que ce soit. Je resterai à la ferme. Comment, à la ferme ? Ben oui, avec toi. À la ferme ? Voilà une idée. Tu as passé ton bac brillamment, tu dois profiter de cet acquis. Et mettre en valeur tes dons indiscutables pour des études supérieures. J'ai décidé de rester ici, et je resterai ici. Mais enfin, voyons, Pierre, réfléchis. Ça va, hein ? C'est moi que ça regarde. Pierre ! Où vas-tu ? Pierre, viens ici. Bon, laisse-le, papa. Il est nerveux. Après ce que j'ai compris, il est fâché avec Robert. Puis il y a une histoire de fille. La nièce de Flandin, vous savez ? Elle lui plaisait bien, Pierrot. Maintenant, plus rien ne va plus. Pourquoi ? J'en sais rien. Peut-être qu'elle en préfère un autre. Pierrot lui plaît pas. Mais pour qu'elle se prend, cette petite ? Ah non, je sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve que l'honneur des Sesterins est en jeu. Oui, t'as raison. On y va ? On y va. Henri, j'ai compris. Je suis venu pour mettre de l'or, je vais mettre l'or. Et on commence par les jeunes.
qui se passe? Je comprends pas. Allez, viens, Marie, je t'emmène. Mais François... Allez, viens, discute pas. Mais, allez. Mais où m'emmenez-vous? Tu verras. Tu sais, avec les filles, c'est pas compliqué. Tu t'excuses, tu dis que t'es malheureux, et puis ça marche. Pas de problème. À toi de jouer, Pierrot. Elle est là? Oui. Bah alors, vas-y. Mais tu te décides, allez. Non, allez, dis-tu. Mais une bonne chose de faite, hein. Bon, de maintenant chez Lauzon. Ah non, le café d'abord. Ah oui, le café d'abord. Ah. Mais cette jeune fille, qui est-elle exactement? Est-ce que tu as des renseignements sur elle? Oh, tu sais, je connaissais son père, Marcel Flandin, qui est à l'hôtel des ventes. Qu'est-ce que t'as là? Quoi, là? C'est du rouge? Non, bah c'est sûrement la petite. Je m'en doute. La suite que je l'ai amenée ici, elle était très contente, alors... Ça va, j'ai compris. Oh, Martine, tu vas pas commencer à lui faire une scène? Sinon, je vais pas voir ton père. La sieste, mais je vais le réveiller. On peut revenir. Mais non, je vais le prévenir que vous êtes là. Il arrive. C'est votre père qui vous envoie? Il me fait des excuses? Des excuses? Écoute, Maurice, je vais te parler franchement. Il sait même pas qu'on est venu te voir. Eh ben, revenez avec des excuses. Après, on pourra parler. Et encore si je veux. Écoute, Maurice, t'es pas de ceux qui se bagarrent toute leur vie pour un bornage ou pour une souche que le grand-père a prise à un autre. T'es un homme intelligent. Alors tu crois que c'est bien de gâcher par entêtement 40 ans d'amitié? Par entêtement? Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de se défendre contre les voleurs de terre. Et ton père est avec eux. Oh, c'est idiot. Tu viens m'insulter chez moi, toi. Je vous insulte à pas. À partir d'aujourd'hui, tu ne franchiras plus la porte de ma maison. Et je garderai ma fille. Maurice! Tais-toi! Je ne veux plus rien avoir à faire avec cette famille de traîtres. Tu m'entends? Rien. Et jamais ma fille ne portera ton nom. Tu sais, autrefois, j'aimais pas ton pays. Peut-être parce que mon père m'en parlait tout le temps. Mais maintenant, je l'aime bien. C'est vrai? Oui. Moi, j'aime bien te regarder. Pourquoi? Tu reviendras l'année prochaine? Je sais pas. Ça fait plaisir que je revienne. Oui. Changer le décor, mais pas
pas encore.